Le monde entier a célébré le jeudi 25 avril 2019 la journée mondiale de lutte contre le paludisme sous le signe « Zéro palu, je m'engage ». Cette journée initiée par l'Organisation mondiale de la santé OMS a pour but de redynamiser le mouvement général vers un monde sans paludisme. Car le paludisme est une maladie évitable qui continue de tuer un enfant toutes les deux minutes dans le monde. 24 heures après cette célébration, le siège de la Société d'énergie et d'eau du Gabon SEEG a abrité ce jour une rencontre scientifique initiée par le ministère de tutelle en collaboration avec le Programme national de lutte contre le paludisme. La SEEG, par la voix de son directeur général, s'est félicitée de la tenue de cette activité scientifique dans ses locaux. La SEEG, par ma voix, a le plaisir de vous accueillir dans la salle de conférence de son siège pour des échanges scientifiques relatifs aux recherches liées au paludisme et vous souhaite par la même occasion la plus cordiale des bienvenues. En effet, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, commémore chaque 25 avril, et ce depuis l'année 2007, la journée mondiale de lutte contre le paludisme, afin de mobiliser, orienter et engager les partenaires autour de l'effort global de lutte contre cette maladie. Le choix de la SEEG, deux années consécutives pour abriter la réunion scientifique sur le paludisme, est pour moi non seulement un honneur, mais surtout démontre la volonté, la force du partenariat que nous engageons avec vous. Le paludisme est une maladie qui touche à plus d'un titre notre société. C'est pourquoi, depuis plusieurs années, nous accompagnons effectivement le ministère de la Santé dans cette noble lutte. Cette rencontre enregistre la participation des chercheurs et experts. L'objectif de cette concertation est de faire le point sur les différents moyens appropriés de lutte contre le paludisme. Vous savez qu'il faut être optimiste et surtout avoir des thèmes qui nous permettent d'aller de l'avant. Nous devons aller vers zéro palu, c'est-à-dire l'élimination. Mais avant de partir à l'élimination, il va falloir contrôler le paludisme. Contrôler le paludisme, c'est mettre les moyens déjà disponibles, les utiliser correctement et les mettre déjà disponibles dans toutes les populations exposées, dans toutes les zones endémiques, aussi bien dans les capitales que dans les villages, etc. En termes de statistiques globales, les enfants de 0 à 5 ans ainsi que les femmes enceintes représentent la frange de la population la plus vulnérable par leur morbidité et mortalité élevée. La prévalence du paludisme au Gabon est estimée à 25%.